On se retrouve dans cette nouvelle vidéo à nouveau dans le restaurant Dragon Ball, le Goku Burger à Bois-Colombes dans le 92. La semaine dernière, j'avais dégusté le menu Kamehameha et vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à cette vidéo. D'ailleurs, vous l'avez beaucoup apprécié et je vous remercie pour tous vos pouces bleus et vos commentaires. Ça fait extrêmement plaisir et vous m'aviez demandé de tester le menu Broly. Et bien du coup, ça va être chose faite. 3 steaks, double cheddar, salade, oignons rouges, pickles et également sauce smoky. Écoutez, dans cette vidéo, on va déguster ce menu. Regardez-moi cette chaussure aimantée, elle est vraiment incroyable. Je tiens également à préciser, les amis, si vous êtes hyper chaud pour que j'y retourne encore, mais cette fois-ci accompagné de Yepcase, Lilian, Talrino, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et bombardez-moi les pouces bleus. Regardez-moi ces toilettes. Oh là là, ça c'est des toilettes, les amis. Les toilettes sont incroyable. Allez, place à la dégustation. Et en plus de cela, avec Titi Boy et mon pote Amar. Yeah ! Le menu Broly, du coup, 3 steaks frites maison, comme d'habitude, comme la précédente vidéo. En plus, regardez, hein, je suis accompagné de Titi Boy. Yo, Titi Boy. Hey. Salut tout le monde. Et lui, il a pris 2 menus. Un Super Saiyan et un Broly. Toi, tu manges beaucoup, toi. Toi, tu manges beaucoup. Et regardez, regardez cette grosse bouffe. Regardez, il a même pas attendu la vidéo. Il n'a pas le temps. Toi, c'est le menu Kamehameha, c'est ce que j'avais pris la dernière fois. Alors, pour l'instant, c'est bon. On verra après. Voilà. Let's go. Donc, moi aussi, du coup, je vais le manger. On va voir la différence entre le menu Broly et le menu Kamehameha. Donc, de la semaine dernière, du coup, parce que c'était la semaine dernière. Les frites, ça change pas. Frites maison, voilà, franchement, elles sont bonnes. Toi aussi, Titi Boy, du coup, tu kiffes? Je surkiffe, c'est excellent. La petite sauce, comme d'habitude, hein. Franchement, elle est très très bonne. La frite, let's go. La sauce, tu l'as goûté à part la sauce? Franchement, elle est bonne. Elle est très très bonne. Un petit peu pimentée, relevée. Passons aux choses sérieuses. Là, oh là là, regardez-moi ça. Oh là 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 là. Le pain brioché bien toasté. Les steaks, alors je rappelle, c'est de la viande hachée, fraîche, cuite façon maya. De l'écrase et tout ça, et franchement, ça te donne une cuisson impeccable. Franchement, très très bon là déjà. Les petits oignons, tout ça cuit. Il est temps de passer au pro. Magnifique. Magnifique. Vraiment, voilà, tu as la viande, regarde. Magnifique. Franchement, Titi Boy, lui, il parle pas. Il est en train de dégommer. Il dégomme. Juste, regarde. Il dégomme. Incroyable. Donc ça fait plaisir, hein, voilà, de voir les abonnés du coup. Titi Boy, franchement, tu sais qu'en plus je t'apprécie. Ouais. Franchement, ça fait énormément plaisir. Moi aussi, je t'apprécie énormément. Ça fait vraiment plaisir. Bon, toi par contre, toi, mange. Moi, j'ai. Lui juste il mange, c'est tout. Toi, t'apprécies pas, toi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le gérant, hein, du Goku Burger, quand même, on le montre. Et merci beaucoup, regardez, il nous a donné des tenders, tout ça. Merci énormément. Je vais goûter d'ailleurs. Alors c'est chaud. Mais c'est très bon. Alors. Je pensais que ça allait être du surgelé, mais je pense que je vais avoir confirmation. C'est du vrai poulet. C'est du vrai poulet pané. Je vais demander confirmation, mais ouais, parce que franchement, c'est très bon. Après, Amar, il est déjà en train de tout grailler. Il m'a pris les tenders, c'est tout. C'est pas pour toi. J'ai pas le temps. Ben, t'as pas le temps. Normalement, c'est pas pour toi. C'est pour moi, normalement. J'ai pas le temps, c'est tout. J'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh là là, vous avez vu l'écran? Vous avez vu l'écran d'Ibé? Ah, c'est incroyable. Non, franchement. Eh. Extraordinaire. Le goût est vraiment trop bon. Franchement, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très, très bon. J'ai déjà mangé des très bons burgers. Mais là, ils sont vraiment bien. Il fait partie des meilleurs également dans lesquels que j'ai mangé. Après, il y en a d'autres. Vous savez, ils ouvrent des restaurants, mais niveau burger, niveau qualité, c'est pas terrible. Là, franchement, on a une bonne qualité. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et en plus, dans l'ambiance Dragon Ball. Donc là, encore mieux. Oh, le Broly. Il a dit, oh, le Broly. Tu vois ou pas? Et du coup, quand j'avais fait la vidéo dégustation, ça te donnait envie, du coup, de venir goûter. J'avais raison ou pas? C'est bon ou pas?
excellent. Voilà, excellent. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai pas le temps. Lui a jamais le temps, lui. Lui a jamais le temps. Le burger Broly, les gars, regardez comment ça commence à bien couler, le fromage. Le burger Broly, il est incroyable. Oh, et le pire, c'est que Titi Boy, il en a pris deux. Il a bientôt, il est à son deuxième, là. Incroyable, incroyable. Il est déjà à son deuxième. Toi, t'as pas le temps, toi. J'ai pas le temps, mais Titi Boy, il faut l'appeler Goku. Goku, voilà. Il mange comme Goku, Titi Boy. Vegeta, pardon, le DZ, Vegeta. Incroyable. Franchement, non, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Deux fois que je viens, deux fois que je suis pas dessus. Vraiment. C'est... Des fois, tu peux croire que t'es venu et ça a été un coup de chance. C'était bon, tu vois. Tu reviens une deuxième fois. Quand c'est encore limite meilleur que la première fois, là, tu te dis c'est plus un coup de chance. Là, vraiment, c'est le top. La canette, j'ai toujours pas bu ma canette. Comme je vous le dis, normalement, c'est très rare pour une personne comme moi. J'aime bien boire en mangeant, tu vois, pour que ça passe mieux. Là, franchement, j'ai pas de difficulté. Franchement, ça passe nickel. Ah, mais deux canettes, c'est il me dit, mes deux canettes, elles sont encore là. Regardez. Ça, c'est la mienne. Lui, il en a pris deux, du coup, parce qu'il avait deux burgers. Il a toujours pas bu. Donc, voilà. Ça, pour le coup... Moi, j'ai bu, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. C'est un fou, Amar. Amar, c'est un fou. Non, franchement, très très bon. Très très bon. On est déjà à la moitié. Hein. Je parle, je mange, excellent. On est déjà à la moitié des frérots du derrière. Vraiment. On est sur un truc vraiment bon. Incroyable. En fait, tout se marie bien. On a la viande, on a le fromage. Voyez ou pas la fumée? La fumée ressortie, on la voit bien là. Ça me plaît. C'est vraiment super bon. On a les oignons rouges, on a les cornichons, on a du coup le cheddar, on a les steaks, la sauce. Ça fusionne bien ensemble. Et pour le coup, la fusion, c'est dans Dragon Ball, ce burger est au top de sa fusion. Disons les choses clairement. Voilà. Ouais, délicieux. Comme il dit Titi Boy, délicieux. Franchement, ouais. Rien à dire. J'arrive à la dernière bouchée, enfin au moins deux dernières bouchées. Franchement, très très bon. Franchement, c'est passé crème. C'est passé crème. Titi Boy, regardez. Il a tout mangé. Je suis bien. Voilà. Toi, t'as pas le temps. J'ai pas le temps, je digère. Lui, il est en train de digérer. Non, franchement, la dernière. Top du top. Donc là, je suis en train de finir le Thunder. J'ai demandé, du coup, c'est bien du vrai poulet pané. C'est fait maison. Donc voilà, encore une fois, un produit artisanal. Et franchement, il est vraiment très très bon. Voilà. Franchement, on est sur quelque chose de qualitatif, il n'y a rien à dire. Et j'avais raison, c'était pas du surgelé, je vous l'ai dit tout de suite, que je sentais comme quoi le goût était bon. Et je tiens aussi à préciser une chose, qui était revenue souvent dans les commentaires de la précédente vidéo. Tout ce qui est ici est halal, mes frères. Vous pouvez manger tout ce qui est halal, sinon moi déjà, moi-même, je ne pourrais pas venir manger. Donc voilà, univers Dragon Ball, c'est qualitatif et c'est halal. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? On va passer au tiramisu spéculoos cette fois-ci. La dernière fois, j'avais goûté M&M's. Mais avant cela, Amar, il a un tour de magie à vous montrer. Vas-y, pas le temps, vas-y Daoud Copperfield de Wish. Vas-y, Daoud. Montre-nous. Qu'est-ce qu'il y a, Daoud? Vas-y, regardez la carte. Vous voyez la carte? Tu vois, hop, disparu. Ah oui, c'est... Et hop, elle est réapparue. Oh, t'as vu un peu? Oh là là, incroyable, hein. Tu peux le refaire. Vas-y, refais. Vas-y, ça se fait tuer. Vas-y, refais. J'ai pas le temps. Refais. Donne ta carte bleue, je vais faire avec la carte bleue. Non, je donne pas la carte bleue. Finalement, on va arrêter avec la carte bleue. Non, c'est bon. La première bouchée du tiramisu. Franchement, c'est bon. C'est onctueux. C'est vrai que Amar nous avait dit, parce qu'il l'a goûté, qu'en quoi c'était sucré. C'est vrai que c'est quand même très sucré, mais... Le dessus est doux, c'est en dessous qui est sucré. Ouais, c'est ça, c'est en dessous, mais en vrai de vrai, franchement, c'est très bon.
C'est très bon. Vraiment. Bon voilà, on a fini de manger du coup avec Titi Boy et Amar et son fameux tour de magie. Franchement, c'était super bon. Titi Boy, pareil, je pense que c'était super bon. Toi, t'as pas le maintenant qu'on a le temps, j'ai un discours à faire. Un discours non, bah, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Voilà, je vais pas les faire avant ton discours. Voilà les amis, sur ce, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Blinky Dama. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Voilà. Et c'est quoi? Je connais pas. Ciao. Eh hey les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super! Non, yeah!